Pour faire une belle excursion en train à vapeur, il faut tout d'abord commencer par mettre la locomotive dans le bon sens. C'est ce que font ces bénévoles du train d'Épinay grâce à la plaque tournante de la gare de Puget-Théniers. Le train sera tracté par cette locomotive pour voie métrique qui a effectué toute sa carrière au Portugal. Bonjour. Notre train peut maintenant se mettre à quai pour accueillir les voyageurs. La machine possède les 4 cylindres du système Mallet, dont la puissance est bien adaptée aux voies de montagne. Mais avant de partir, voici quelques informations pratiques. Alors, je suis Raphaël. Aujourd'hui, je suis mécanicien du train d'Épinay, donc je le conduis. Et sinon, je suis salarié à l'année de l'association qui gère le train d'Épinay, le GECP. Et donc, je suis technicien et je fais un petit peu de tout, chef de train, conducteur. Et l'hiver, nous réparons avec mon collègue d'autres locomotives, notamment celles qui nous tractent aujourd'hui, mais encore d'autres, des locomotives diesel, des autorails. Et on est occupé pour toute l'année. Alors le train d'Épinay, aussi appelé chemin de fer de Provence, est né à la fin du 19e siècle, en 1892 plus précisément, et reliait les deux préfectures que sont Nice et Digne, dans les départements des Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes à l'époque. Alors l'association est composée de 300 adhérents. Le trajet que nous empruntons, donc sur la ligne qui fait 150 km depuis Nice à Digne, nous empruntons un trajet d'une vingtaine de kilomètres entre Puget-Théniers et Hanotte, qui sont les deux villages qui sont tellement sympas sur la ligne, un des plus beaux, notamment Hanotte. Et nous roulons donc 3 fois par semaine en plein été, et sinon tous les dimanches de mai à novembre. C'est une bonne saison comme nous avons en ce moment. Le train fait entre 24 000 et 24 500 voyageurs. Très bien, merci Raphaël. Merci beaucoup. Dernière vérification du niveau d'eau et c'est parti. À la sortie de Puget-Théniers, le train franchit la vallée du Var vers la rive droite. Les automobilistes, ravis de voir ce convoi inattendu, roulent à la vitesse du train pour profiter de l'occasion. Excellente initiative qui nous permet de croiser en toute sérénité l'intransigeant radar de l'ex-National 202. Sur sa droite, le train remonte la vallée du Var. Le très pittoresque village d'Entrevaux a été labellisé plus beau village de France en 2023. Il est surplombé par une forteresse vertigineuse, remaniée bien sûr par Vauban. J'espère que l'infatigable marquis figure en bonne place dans le livre Guinness des records, catégorie citadelle, car il en a fait construire 132. Oui, oui, 132, j'ai compté. L'unique chemin d'accès, long de 800 mètres, franchit une dénivellation de plus de 150 mètres. Un régal pour randonneurs. Sur le pont de Guédan, le convoi traverse de nouveau la vallée du Var.
Notre ami Raphaël nous fait signe depuis la loco. Il arrête la machine à la halte suivante pour refaire le plein des réservoirs d'eau. L'opération est réalisée en pompant l'eau d'une réserve située dans le fourgon de tête pour l'envoyer vers la locomotive. Le terrain est maintenant plus accidenté et le train prend de la hauteur. Il aborde le viaduc de Gros-Vallon, puis le viaduc de la Donne, qui enjambe le Coulon, un affluent du Var, à 42 mètres de hauteur. Le train surgit du tunnel des Scaffarelles et emprunte une longue et profonde tranchée. La locomotive file maintenant vers le village d'Anotre qui est notre gare d'arrivée. Il est environ midi, les voyageurs ont 3 heures pour se restaurer dans ce village très touristique de 1000 habitants. Pendant ce temps, à la gare, après avoir laissé passer des rames régulières, la locomotive effectue un nouveau demi-tour. Puis elle va se placer à l'autre extrémité du train pour ramener à Puget-Théniers des voyageurs séduits par cette balade ferroviaire originale.